Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser des pommes de terre au four façon tagine. Je commence par découper 4 belles pommes de terre en rondelles et de courgettes. Je dépose le tout dans un plat au four. Je vais y ajouter un oignon rouge émincé grossièrement. Ensuite, on va passer à la préparation de la marinade. Donc ici, dans un bol, je vais venir ajouter de l'huile d'olive. Je vais râper 2 gousses d'ail et je vais également ajouter la moitié d'un citron confit que je découpe finement au couteau. J'ajoute également une poignée de persil et de coriandre ciselé. J'assaisonne avec du sel, du poivre, un petit peu de paprika et du curcuma. Et j'ajoute également 1 cube de bouillon de volaille que je viens émietter par-dessus. Ensuite, je vais compléter avec de l'eau, donc suffisamment d'eau pour avoir assez de marinade pour badigeonner avec nos légumes. Je mélange le tout et je verse sur mes légumes. J'hésite pas bien à mélanger le tout ensemble. Et pour finir, je dépose une tomate coupée comme ça en rondelles et quelques olives. Je couvre mon plat avec du papier sulfurisé et par-dessus du papier aluminium. Donc je couvre bien. Et je place au four, donc dans un four préchauffé à 200 degrés pour 1 heure de temps. Et voilà, notre recette est terminée. J'espère que la recette vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.